Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com. Bon après-midi, très chers frères africains, frères et sœurs africains. Je voudrais faire cette petite vidéo en trois langues, en français, en lingala et en swahili, les deux langues étant des langues en République démocratique du Congo, le français étant la langue imposée officiellement. Je vais vous raconter une petite histoire un peu insolite, quelque chose qui s'est passé dans la province natale, la province d'origine, la province du Sud Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo. Nous avons appris cette histoire par les médias. Ce n'est pas tellement une histoire comme telle, c'est véridique. Ben, le Burundi, le pays voisin, a envoyé ses soldats à une expédition militaire au Congo pour plusieurs motifs. D'après les services de renseignement, c'était pour venir contrer une attaque imminente de soldats rwandais, Tutsi, qui veulent en découdre avec le gouvernement burundais. Ça, c'est sous coulisses. Et deuxième objectif, ces gens, en fait, se sont détournés, ces militaires se sont détournés de leur objectif principal et ils se sont mis à violenter la population du Congo au Sud Kivu en détruisant les plantes, en cueillant sauvagement les récoltes, en violant les femmes, en volant, en brûlant les maisons des paysans, etc. Il y a eu beaucoup de ces actions au Sud Kivu. Et malheur pour eux, la population a utilisé la science africaine. Ce que les religieux, les chrétiens, les occidentaux appellent la sorcellerie. Ils les ont foudroyés et plus de 150 soldats sont tombés sur le champ. Ça a été une riposte contre les représailles orchestrées à la population de cette contrée. Eh bien, ils voulaient s'aventurer dans un patelin qu'ils ne connaissent pas très bien. Et voilà, le pouvoir ancestral les a frappés. On nous dit plus de 150 soldats burundais ont été tués. Bon, les cadavres sont là parce que nous avons les images. Malheureusement, je ne peux pas peut-être vous montrer les images ici. Donc, ce n'est pas une fiction. 150 soldats sont morts. Et une semaine bien avant, une semaine ou un mois avant ça, toujours au sud du Kivu, tout près de la province du Katanga, au sud, on nous dit que les paysans ont envoyé un essaim d'abeilles qui s'est attaqué aux soldats. Nombreux soldats sont morts. D'autres ont fui dans la forêt et peut-être d'autres se sont jetés dans des rivières ou ils ont été retrouvés noyés. La question reste la suivante. Je me demande, avec cette puissance-là, prenons seulement la puissance de la foudre qui s'est abattue sur ces troupes. Comment est-ce que les Africains se sont laissés coloniser par les Occidentaux, que nous appelons abusivement les Blancs, parce qu'ils ne sont pas des Blancs, ils sont roses, ils ne sont pas des Blancs. Nous avons été esclavagisés par les Occidentaux et les Moyens-Orientaux, les Arabes. Ils sont venus nous trouander, parce que ce sont des bandits, ce sont des gangsters, ils sont venus nous trouander et nous rendre esclaves, nous déporter de notre continent jusqu'à aller vers des terrains lointains. Et pourtant, nous avions toute cette science,
qui est plus forte que la bombe atomique même. Pourquoi nous ne l'avons pas utilisée? La question demeure. Et je m'adresse aux Africains. Je sais que la plupart de ce qu'on appelle fétiches sont toujours gardés dans nos sociétés traditionnelles africaines. Mais à cause des religions importées, imposées et sponsorisées, on a vilipendé le gardien de ces secrets. On les a diabolisés, on leur a dit non, ça, c'est de la sorcellerie. Un mot qui a une consonance péjorative. Et on a abandonné cette science. Très chers Africains, partout où vous êtes, vous les Noirs, les Africains, vous les Nègres, ce n'est pas une injure, nous sommes des Nègres. Il est temps, plus que temps, de ressusciter toutes ces forces mystiques que nous avons pour lutter contre les envahisseurs, les enviés, nos bourreaux, les voleurs occidentaux, arabo-musulmans. Il est temps. Eh bien, il est prévu un sommet en Europe, à Bruxelles, que d'aucuns appellent un Berlin 2. Vous vous rappelez de la conférence de Berlin de 1893 ou 1885 à Berlin, où l'on a morcelé l'Afrique, on a soupçonné l'Afrique en des pays que nous avons avec leur visage géométrique mal coupé que nous avons aujourd'hui. J'espère que des siècles après, les mêmes gens veulent se rencontrer en Europe pour parler de la balkanisation du Congo en particulier et de la révision de certaines frontières de certains pays africains. Très chers Africains, et surtout les Congolais, qu'est-ce que vous attendez pour utiliser ces fétiches, cette science que vous avez de la foudre? Je vous demande de bombarder le lieu où ce sommet va se tenir. Bombarder ce lieu pour que les soi-disant blancs et leurs acolytes, leurs complices présidents africains, et qui toute autre personne qui va y participer puisse mourir. Je vous demande de bombarder Buckingham Palace, le palais royal de la famille royale britannique. Je vous demande de bombarder avec cette science ancestrale les Champs-Élysées de la France, excepté les Kremlin de la Russie qui soutient les Africains et qui n'a jamais colonisé un pays africain. Je vous demande, vous les Congolais, de déterrer tous ces fétiches que nous avons et bombarder Kagame, le maigrichon président rwandais qui est semblable à un moustique, qui est très laid et qui se targue d'une certaine puissance qu'il n'a pas. Tout simplement parce qu'il est sponsorisé par les gangsters occidentaux qui s'appellent la communauté internationale. Qu'est-ce que vous attendez, vous les Congolais? 25 ans d'humiliation, de domination, d'exploitation. Pendant que vous avez cette puissance, bombardez le Rwanda avec ce foudre. Bombardez tous les autres pays et les autres soi-disant dirigeants qui nous ont kikin avec cette science que vous avez. Et surtout, n'acceptez pas qu'un religieux vous approche, les chrétiens, les musulmans, etc., qui viennent auprès de vous pour vous dire « ça c'est de la sorcellerie ». Soyez fiers de la sorcellerie africaine, c'est notre science que les occidentaux et les arabo-musulmans ont volée pour devenir ce qu'ils sont aujourd'hui. Eh bien, je m'en vais parler dans ma langue, dans mon pays, le Lingala. Bandekoba Bolingo, Mikoloyo, Boyoki,
na bitando bike que na kivu plus de 150 rwandais enfin ba soda burundais ba kufi na kake oyo biso ba kongole to tinere na ngopo ba yaki ko yiba ko viole ba mama bana basi na biso na ko bema biso et non ko zoka mo sangai uta mokilizali tozalaka na bakisi wana mpona nini tuitiza kangote poto boma banguna na biso comment tu as pu expliquer que pendant 25 ans tous ans bakisi ya ndengo wana kasi kama mutu muke azal netu ngungi kagame aye ko nyatela biso et puis azali na nguya ya koloba devant médias partout que nous, mon pays, c'est un petit pays, mais nous sommes entraînés pour faire la guerre dans les pays voisins quand ils le veulent. Nous sommes entraînés pour ça. Mais tu es bien, nous sommes ok. Ron les alliés, alors, mon côté, mon nom, mon nom, mon nom, les alliés, mon nom, mon nom, mon nom, la communauté internationale, vous allez soutenir rien. Kasi eloko oyo kagama yi, azoko bosa na koloba, to azoko boya koloba. Zali, depuis ya kote na Congo, azaraka kapable te, ya kubungu ta Congo. Mpo, na ba resistant ba kubata maibayi wazana Kivu. Soki azali super puissant. Pourquoi ba soda na yinyo soto boma kamango, pourquoi alors que Kivu est allé sponsoriser. Tous les amis qui étaient, tous les amis qui étaient, tous les amis qui utilisaient le pain pour tous les amis qui ramassaient là-bas. Parce que les amis qui ont été bons, ils ont été bons. 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 Alors, na sengi na ba Congolais nyoso, na ba professeur nyoso, o bazana ba kisi. Motote a yi sabino ko ezali kisi ezali ko mabe nzambe aloba nzambe a tufi yesu a tufi ala na Mohamed a tufi bolo bango bo utiliser ba kisi bozana yango po na kobeta kake bo boma Felix Chilombo bo boma Hippolyte Kadjabere Kanambe bo boma Azarias Rubero bo boma barwane nyoso oyo bazali na Congo bo beta bango ba kake. Au lieu de Bobo Maka, bande connaît la famille, ceux qui m'ont allé, soso, yo li ponu, obino, et azali bien, na bomaye. Ceux qui m'ont fait la moutou kanaye, yo za na moutou kate, obomie, pour la jalousie, pour la envie. Il est temps, bol zoa ba kisi, nyo soto za kanayango, to boma, banguna na biso. Ça ne sert à rien de garder ces histoires, nandako. Na kisasa, na esika ne soba kongo basali basali ko bomana na ba mbasu soki mbasu et pa na biso balega to bengango molonge yo ozo boma moto na mbasu ne kona yo kongole pourquoi ozo ko boma kana bete pourquoi ozo ko boma bato bazo ko sala biso mabete ba kisi na bino ka ko boma ba ne kona bino bo ki ko boma ba ngura te toka ke na bandu no bato za ba kisi mingi toka ke na ba kongo ba za ba kisi mingi. Mais vous faites besoin ça en une question. Nani a dit que les bakisi wana ezali biloko mabe. Bakisi wana ezali science na bino. Bozo yango bo bwakela Félix Mbasu. Bo bwakela ba conseiller na nyoso Mbasu. Bo bwakela Kamere kake ebomaye. Comme ça tu comprends que réellement bakisi na biso ezali ba véritable kisi. Au lieu, on tient un poison, na verre et mon inga na yo, poison moi si na yo, to po a réussir na vie yo réussir te, oye koti le poison na verre, oye koti le poison na kite si kazo fana, oye koti la un poison na liboko ya mutuka, po alenya kote la mutuka. Ça c'est de la bassesse. Nga na lobi, je suis partisan de la sorcellerie africaine. Les amis, science na biso. To utilisé en gros, to boma, bato, o ba moni si biso bo ale na Congo. O liye,
toujours ya kobo ma camarade obomin neko obomin bandana yo po su moi obale na yo obomin bandana po su moi si na yo ça nous amène à quoi alors que tout ça ni humilier toyo ba yo kisi biso soni na mokili na répéter bozo akisi bozo na yango to boma banguna mpe kondimate ke chrétien musulman religieux ya ba religion yo aya mpembene na yo alors que boaka bakisi wana bo boaka bakisi te bakisi wana ezali science na biso nkasi to utiliser yango to boma banguna. Je voudrais donc m'adresser à mes frères kivusiens amjambo wa ndugu wapenzi amjambo wa mama wa dada wa kaka wa tati wa jomba wa rafiki wote wa Kivu popote mnaishi. Tumesikia kati ya television na ba radio kama unafanya mambo ya master ajabu kule vigeregere. Congratulations vigeregere, unaua wa Burundi na radi ni vizuri sana, ile ni bomba atomique plus que bomba atomique. Iko science mzuri sana. Raf, nyinyi wa mama, nyinyi wa dada, wa tati, wa ndugu, wenye mnajua ile siri, sababu gani mumelinda ile siri tangu zamani? Rwanda, Burundi, Uganda inatuonyesha haya, inatukanyaka kichwani. Alafu tuko na uwezo. Leo mnaonyesha uwezo kama tunaweza kufanya kitu master ajabu. Mutumie hii uwezo. Mupike radi kunyumba ya Kagame. Mupike Kagame radi. Mupike Felix Chilombo radi. Mwapike Wanyarwanda radi. Dans quelques jours, kutakuwa conférence ku Bruxelles, ku Belgique, inji nye fa kututawala. Kule, barata kufanya balkanizasyon, wagawanyi inji yetu. Na sisi sote tunasema, Congo aheze kugawanyiwa. Lakini, tupo na silaha. Tupo na hii silaha ya wababaku wetu. Unafanya nini nayo? Tangu wakati yote. Depuis que dunia imeumbwa. Na waomba nyinyi walozi wa kwetu mukamate hii silaha muwatumie wazungu wakati watakuwa pale mwaile conference mubangushia hiyo nyuma iungue muangusha ku baba benki yabo muangusha ku famille royale belge muangusha ku famille royale ya Angleterre muangusha ku Champs-Élysées ya France wale wote wote wazungu wote wenye watupende muwatumie hayo waone nyota sababu gani mna Muko na kitu ya kizuri hivi. Hapo muko na silaha, sio tu nome. Tuko na silaha moja ajabu. Unaikalia silaha kwa nini? Na msimumpe hata mtu mmoja asiri ya kitu hii. Hii siri hii muilinde vema. Kama mtu wa dini anakuja kwenu. Oh mimi ni Mkristiani. Oh mimi ni Muslima. Mungu anasema hivi, mumwambie toka kule. Kafioto yako, mufioto atoko kwenye huko. Mpaka tunalinda isiri na tuwaue kwa kisi tulinde Kongo wetu. Ni mimi, ndugu wenu, mtoto wenu, kaka yenu, mjomba yenu, tati yenu, rafiki yenu, jemadari Vibikil Kilele. Mimi ni Mlega wa Shabunda. Tufanye nguvu na tuokoe Kongo yetu. Asante sana. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com.